Client House voor mij is een beetje thuiskomen bij je bankier. C'est un espace de travail, de rencontre, de conseil, d'expertise. Hier ga je als klant bediend worden door een adviserende bankier die tijd heeft voor jou, die jou kent, die het dossier goed heeft voorbereid en die de moeilijke en de complexe vragen van een klant goed kan beantwoorden. Lorsqu'il pénètre dans une client house, d'abord, je pense, il est surpris. Il est surpris par les matériaux, par l'aspect à la fois moderne et convivial, et il est accueilli par quelqu'un qui va se diriger vers lui. Er zijn een heel aantal momenten in het leven van een klant waarin ze behoefte hebben om met een bankier te kunnen praten in een omgeving die ervoor zorgt dat alles bij de hand is om snel een goede beslissing te kunnen nemen. Tous les clients sont évidemment les bienvenus dans une client house, qu'ils soient particuliers, entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, clientèle en matière d'investissement, private banking ou pas. Dus het menselijke is even belangrijk als het digitale. Ce comptoir digital se veut facile, accessible, accompagné si nécessaire d'un employé d'ING pour la découverte ou l'utilisation effective de tous les canaux digitaux. L'attente est par définition un temps qu'il faut pour le client pouvoir utiliser au mieux, soit pour travailler, il y a Wi-Fi dans l'agence, soit pour découvrir de nouveaux services, soit pour boire un café. Cette attente est optimisée pour lui et la plus courte possible. Wat wij in onze hele transformatie duidelijk voor ogen hebben, is we hebben een nieuwe visie hoe een klantenervaring moet zijn als hij naar het kantoor komt. En het ING Client House is waarschijnlijk het allerbeste voorbeeld hoe we dat willen doen. C'est l'illustration même de notre stratégie en voulant marier au mieux le numérique, la communication à distance, mais évidemment aussi le contact proche de nos clients, le contact direct avec nos clients. La Client House, c'est la maison de nos clients, c'est l'espace où ils se sentent chez eux, comme chez eux.